Et l'actualité nous emmène à Yamsoukro. Soucieuse de l'avenir des élèves et dans un élan d'excellence, l'ONG Agit pour l'éducation en Afrique a mis en place une compétition de mathématiques, de culture générale et de dictée. Les meilleurs de cette compétition ont été récompensés le mercredi dernier et c'est le lycée scientifique qui est sorti le grand vainqueur car la Miss Olympiade et le meilleur élève nous viennent de cet établissement. Initié depuis 2020, sur le plan national et en 2023 à Yamoussoukro, la compétition des Olympiades des mathématiques, de dictée et de culture générale organisée par l'ONG Agit pour l'éducation en Afrique est une compétition née pour rassembler les élèves, les parents d'élèves, les équipes éducatives et les autorités politiques locales pour travailler ensemble à l'amélioration de l'environnement autour de l'école et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les objectifs visés par les Olympiades sont créer une saine émulation entre les élèves et également entre les équipes pédagogiques, encourager et amener les élèves à s'intéresser aux études, promouvoir la lecture et le calcul auprès des écoliers, créer un environnement favorable aux études et à la réussite scolaire. Pour cette année, ce sont au total 25 établissements de la ville de Yamoussoukro, donc 4 élèves de chacune des écoles qui ont pris part à cette compétition. C'est Miss Fofana Ramadan du lycée scientifique qui a été désignée Miss Olympiade avec une note de 118,75 sur 140 et l'élève Kalidjoula Samuel du lycée scientifique avec la note de 138,25 sur 140. C'est vrai, je viens du lycée scientifique. Je ne croyais pas forcément mes capacités de dictée culture générale. C'était en mathématiques surtout, j'ai cru. Mais Dieu a fait, j'ai eu de très bonnes notes en dictée et en culture générale. Pour tous ceux qui veulent être meilleurs comme moi, je vous encourage à étudier parce que c'est le travail qui paye. Étudier d'arrache-pied parce que c'est le travail qui va vous permettre d'avoir votre indépendance. Il faut noter que c'est le lycée scientifique qui a remporté le prix du meilleur établissement et chacun des élèves est reparti avec une attestation de participation.